Salut à tous les gars, c'est Dropdead Boy! Et aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, donc sur le nouveau DLC de Darkest Shore. Donc la map, le rivage obscur de Call of Duty WW2 en mode zombie. Une petite vidéo un peu qui me prend la tête. Pourquoi? Vous allez dire que c'est un peu un titre putaclic, peut-être, mais pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc regardez, on avait presque tout terminé, sauf qu'il y a des étapes qui bug dans le secret. Donc voilà, le secret en fait ne peut pas être terminé. On ne peut pas finir le secret parce qu'il y a des étapes qui font que le secret bug et ne se termine pas, comme l'étape du Vusling. Donc là, vous voyez bien que ben il reste bugué devant les atouts. Voilà, on a essayé de l'emmener partout et au bout d'un moment, il prend des atouts et puis après, il reste bugué. Ou alors, des fois, il prend pas d'atouts du tout et voilà quoi. Donc, c'est un peu chiant, mais bon. Donc, du coup, on doit essayer de faire en sorte qu'il meure pour recommencer. Et puis, quand on recommence, bah, ça rebug à nouveau. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la game, on recommence la game en espérant que ça fonctionne. Mais on a eu un message, donc, bien sur les sites. Des secrets qui sont en diffusion, donc voilà, le secret est pas trouvé entièrement, mais on va dire que toute la quête principale pour arriver au boss est trouvée, mais il y a des bugs et ils ont bien précisé que il y a un gros bug fixe sur les Vuslings qui bug et qui font que le secret on peut pas le continuer. C'est pour ça qu'on est tous bloqués en ce moment. Donc voilà, je vais quand même vous faire cette vidéo pour mettre les choses au clair et au point. Donc là on est dans la chambre sacrificielle au moment où je fais cette vidéo. Et voilà, on aurait pu finir, on aurait pu aller plus loin, mais non, on était bloqué. Vous savez que je suis en stream depuis 6h ce matin, et que là, il est quelle heure au moment où je fais cette vidéo? Il doit être... il est 6h du matin, voilà. Ça fait une journée complète que je suis sur ce jeu, et voilà, on l'a déjà peut-être terminé, on aurait pu le terminer plus rapidement encore. C'est pas le but d'aller le plus vite possible, mais quand même, c'est de vous proposer un tuto assez rapidement, et du coup... on aurait pu faire ça très vite, mais voilà, dédicace à Soicool qui disait que c'était les premiers à être rentrés dans la chambre. Oui, en fait, on était tous rentrés dedans. C'est juste qu'elle est censée se renfermer, en fait, pour que le boss fight se lance. Et on est censé poser des têtes sur les squelettes qui sont là, au milieu de la salle. Mais le secret veut que ça bug, et ça ne fonctionne pas. Donc, à ce qui paraît, le bug va vite être patché et corrigé. Donc, on espère que ça arrivera bientôt pour refaire un secret sur le boss fight et sur la fin de ce secret quand on s'échappe de l'île. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. C'est Dropdead Boy. Like, partage, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Moi, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo zombie. Allez, ciao, bye bye.